de Facebook. Vous pouvez nous retrouver aussi sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter, YouTube. D'ailleurs, si je venais à avoir des problèmes de diffusion ici aujourd'hui sur Facebook et que vous ne trouveriez plus les lives éventuellement sur Facebook d'MGL France, vous pourrez les suivre du coup sur YouTube. Les points statiques qui étaient prévus à la base sur Bagram ont été interdits il y a deux jours par la préfecture, par arrêté préfectoral, donc il n'y a pas eu de statique ce matin, d'où le fait que les forces de l'ordre ont empêché la manifestation de se réunir avant 13h. Beaucoup de manifestants circulaient dans Paris aux abords de la place de Bagram par petits groupes. Énormément de contrôles. Du coup, ce matin, nous, personnellement, on était au moins contrôlés une douzaine de fois par principalement la gendarmerie. Alors, Adama Traoré, effectivement, est arrêté ce matin. Il a été arrêté apparemment pour refus d'obtempérer, parce qu'il a refusé de donner une carte d'identité. Donc, on n'a pas plus d'infos pour Adama actuellement. Oui, Adama arrêté et peut-être emmené en contrôle d'identité, puisqu'il a refusé, apparemment, d'après nos sources, de présenter sa carte. T'es sur la pelouse ou pas? Là, je te dis, là. Vas-y, moi. À un moment donné, il va falloir qu'on bouge. Ah ouais? Le bâtiment, il est où? On me dit qu'on n'entend pas les commentaires. Est-ce que le son et l'image sont bons pour l'instant? Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Non, on n'est pas à Chaban-Delmas, on est sur Bagram. Merci beaucoup, merci pour vos retours son. Ah, c'est une protection d'objectif. Il faut le laisser là, il viendra le rechercher si il reste. Ça va pas ça? Non. Merci. Merci beaucoup, bonjour à tous ceux qui sont en train d'arriver sur ce live, ça fait plaisir de vous voir. Du coup, si nombreux, la censure faisait que dernièrement je n'arrivais pas à vous retrouver. Donc vos partages ont fonctionné, la visibilité est là aujourd'hui et merci. Merci à tous ceux qui ont partagé les images en début de live, ce qui permet au plus grand nombre évidemment de les voir.
et ce qui va vous permettre aussi de suivre. N'hésitez pas à aller liker MGL France, chercher, insister, pas le groupe, pas MGL France Info, MGL France tout court. Likez la page, c'est sur la page que vous aurez les lives tout au long de cette journée. Vous aurez aussi la possibilité de suivre MGL et RSI Media en simultané de Marseille, Paris pour moi et Coralie, RSI Media, Marseille vous pourrez Eric et le multiplex sera diffusé évidemment sur MGL France, RSI Media et sur nos différents supports autres que Facebook, à savoir YouTube, Twitter, enfin etc., etc., etc. On va essayer de vous diffuser un maximum d'images sur un maximum de sites différents pour vous permettre de suivre cette journée un peu particulière aujourd'hui. Oh là là, ça arrive aussi là-bas encore. Renfort de police et de gendarmerie plutôt apparemment ici sur notre droite. Gros dispositif hein, finalement. Plusieurs compagnies de gendarmerie mobile. Sur cette manifestation depuis qu'on y est, depuis quelques dizaines de minutes, mais aussi avec les gens à qui on a parlé tout au long de la matinée, puisqu'on est arrivé sur zone très très tôt nous ce matin, MGL, on ressent beaucoup de détermination dans les paroles, dans la façon de penser des gens qui sont ici aujourd'hui pour dire non à ce pass sanitaire, à ces privations de liberté. Énormément de détermination, les gens ne comptent pas lâcher prise. Et ça se ressent littéralement ici, ici sur Wagram et très certainement d'ailleurs sur les autres manifs parisiennes. Poussé sur l'avant de la manifestation. On va essayer de se rapprocher.
manifestation. On se heurte sur le deuxième rang de protection. Le premier rang de gendarmes a cédé. Le deuxième rang en CRS. On appuie au premier. Il vient de restopper la manif. Le journaliste pris en partie et poussé violemment par un CRS. Le journaliste vient de protester. Chantier ici, je vais voir si j'arrive à grimper un peu. Échauffourée.
Je ne sais pas, parce qu'en fait, le cortège normalement devait partir à 14h et il n'est pas 14h, donc je pense qu'il a été légèrement déplacé pour être mieux contenu. Et là, pour le coup, maintenant, il y a un blocage total. Vient d'être lancé sur le groupe des forces de l'ordre par des manifestants. Une matraque perdue. Alors je suis debout sur une poubelle, ce qui n'est pas très sécu, je vous l'avoue, donc je pense que je vais descendre. Alors on me dit que je ne suis pas du bon côté, je ne sais pas si c'est le bon côté de la rue ou de la manif. De la rue, oui, de la manif, peut-être pas. Il est très très compliqué avec une foule aussi compacte et des contrôles aussi denses de pouvoir évidemment circuler sur différents angles de la manifestation. On doit choisir un angle et malheureusement s'y tenir. Du rythme sur l'avant de la manifestation.
fort aujourd'hui. Hein. Là, je me trouvais dans le masque, mais je ne croyais pas que le masque était fort. Énorme tension ici sur la manif, tout le monde est sur les dents. Je ne peux pas regarder vos commentaires, j'en suis navrée. Je peux même pas, c'est normal. De nouveau dans la manifestation. Vous voyez que l'avancée est rapide. Thank you.
suffit pas. Arrêtez d'obéir bêtement. Rentrez chez vous, mettez-moi dans les maladies. Y'en a un retour de chez vous, je suis suicidé, les gars. Ça sert à rien, la répression, 3 ans qui les gens, on est toujours là. Ça sert à rien, les gars. Rentrez chez vous, rentrez à Orléans. Mettez-moi dans les maladies. Vous avez l'habitude des CRS de vous mettre en arrêt. Mettez-vous en arrêt. De l'homme présent pour filmer les manquements aux libertés individuelles sur les manifs. Thank you.
même pas, je dis. Oh!
Ocalou. 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 Derrière toi. Ocalou. Comme vous.